on est parti pour le début du vlog spécial vacances. Je suis déjà en train de... Mon fond de teint ne m'a pas respecté. Pourquoi il est aussi foncé que ça? J'avais pas prévu de me maquiller. Du tout même. Et là je suis en train de finalement faire mon make-up. Mais sauf que je vais retirer parce que je n'ai aucune base de teint sur mon visage. I'm going to me démaquiller et je reviens. Là on est mieux. Donc je me suis démaquillée, j'ai lavé mon visage. J'ai remis un crème solaire et j'ai appliqué une base. J'ai pris deux bases que j'ai pas emmené en vacances avec moi. Et je vais mettre ce fond de teint parce qu'il est très léger, très skin-like, on va dire. C'est grave pour ma teinte. C'est plus foncé que mon corps. Pourtant, je me suis exposée au soleil. Ça faisait longtemps. Mais comme c'est un truc un peu fluide, teinté, de toute façon, c'est pas grave. Généralement, je me maquille pas quand je pars. Mais là, j'ai envie de faire. Genre, le strict minimum, genre. En ancienne, j'avais mis le Huda Beauty, mais je l'avais déjà remis dans ma trousse. Donc, je vais prendre un que je n'ai pas. Je pars avec. C'est le Lancôme. C'est un Idol. C'est B. C'est ancienne. Et juste trop bien. On cherche pas d'avoir full couvrance et tout. Juste éveiller le regard, c'est tout. La poudre, j'avais mis la Fenty, but... On va sortir mon amour, que malheureusement, je n'en ai pas avec moi. Ma Huda Beauty, parce que c'est good. J'applique au pinceau grossièrement, juste histoire de fixer un petit peu. Je mets aussi sur mes yeux parce que j'ai les paupières grasses. J'ai découvert que j'ai les paupières grasses. Je sais pas si en France j'aurai les paupières grasses. Parce que ma peau change drastiquement quand je suis en France. En bronzer, je vais prendre le Fenty. Je mets pas de blush, de trucs comme ça, non. Je mets juste du bronzer pour redonner une dimension à mon visage. Comme tous mes bons pinceaux sont... Enfin, les pinceaux que j'ai l'habitude d'utiliser. Désolée, vous entendez mon frère. Mais les pinceaux que j'ai l'habitude d'utiliser pour les bronzers, ils sont déjà rangés et tout. J'utilise ce qui reste et c'est bizarre d'appliquer du bronzer avec ça. Flemme de laver plusieurs pinceaux, j'estompe sur ma main et je vais poudrer avec ma poudre Charlotte. Charlotte Darling. On va suivre de Charlotte Darling. Je suis obligée de mettre mon spray favori. Et je vais utiliser ce lip oil. Voilà, parce que je ne vais rien faire d'exceptionnel. Alors, dans les vidéos précédentes, vous avez vu quand j'ai fait mes valises, vous avez pas vu que j'ai emmené des bijoux parce qu'en fait, je vais tous les mettre sur moi. Je vais pas emmener plus que... Voilà. Je vais tous les mettre sur moi, clairement. Je voulais mettre du mascara, mais en fait, si je mets du mascara et que je souhaite essayer de dormir dans l'avion, ça va me déranger d'avoir du mascara. Donc, on fera sans mascara. On est sur un problème. Là, je fais les dernières finitions de ma valise et tout. But. C'est pas ma valise, fait 17 kilos. Elle me faisait 19. Alors, ce matin, j'ai pris. Il me manquait de mettre mes trousses. Toutes les trousses là. J'étais à 12 kg 75. J'ai dit, oh, trop bien. Moi, je suis en train de me moquer de mon copain. Ouais, c'est. Sa valise est plus lourde que la mienne. Là, je suis à 19 kilos. Genre, j'ai mis les trousses. Je suis à 19 kilos. Ah, c'est comme papa. I don't understand. Je suis à 19 kilos. La limite, c'est 23. Sauf que c'est l'aller. C'est de que je passe 19 kilos au retour. C'est pas grave. Mais à l'aller, les gars, je n'ai encore rien acheté. Et je compte acheter mon appareil. Bon, mon appareil, je le mettrai en cabine. Mais je vais acheter la ring light aussi. Donc là, j'ai retiré deux trois vêtements. Je retire. Alors, si vous avez vu. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait ma préparation de valise, je vous mets dans la fiche en barre d'infos. Si vous avez vu, donc j'avais pris ces petits débardeurs là, j'ai retiré. J'ai pris 4 pyjamas, j'ai retiré un. J'avais pris, au cas où il fait chaud, une écharpe, je l'ai virée. J'ai retiré aussi tout ça, j'ai retiré ce parfum là parce que j'avais des doutes, c'était un petit peu gros. J'ai retiré finalement l'anticienne d'Abbeauty parce que je l'aime trop mais je peux pas l'emmener. J'ai retiré le mixing pigment, j'avais un doute sur le poids avec le mixing pigment, donc j'ai viré. J'ai retiré ces deux petites quads qui sont généralement dans mes trousses vacances. Mais en fait, je peux pas maquiller des masses. Et j'ai emmené beaucoup pour R, je pense. J'ai retiré ces crayons-là. J'ai retiré ce gloss qui est dans mon Project Pan. Ce rouge à lèvres aussi qui est dans mon Project Pan. J'ai même retiré. J'ai même jusqu'à aller retirer
un make-up by Mario. C'est pour vous dire. Et j'ai retiré la lecture liquide parce que je sais que je vais pas utiliser. J'ai retiré un pinceau et plein pour les yeux. Je sais pas pourquoi j'ai pris autant de pinceau alors que, ben, en vrai, je me maquille pas tant les yeux en vacances. J'ai pas le temps. Je fais mon temps. Alors, je l'éteins et ça s'arrête là. J'ai retiré ça et j'ai retiré aussi une brassière de sport. Du coup, on est sur la valise en saut à 15,85 kg. Et moi aussi, il y a une valise. T'as une valise, chérie? Oui, il y a une petite tête dessus, c'est 4 lignes. Ah ouais? Oui, il y a un chéchal dans le magasin pour moi. Ah, ben c'est bien. Et puis maman, là, c'est quoi pour nous? C'est le magasin. C'est vrai? Et donc voilà. C'est bon! Merci. Marraine est contente. Marraine part, chérie. Tu sais que Marine part. On fait de la musique. Ah, tu fais de la musique? Cette fois-ci, c'est la dernière. J'ai retiré quand même deux articles parce que je me suis dit, Galis, tu vas pas les utiliser. Mais après, je sens dans mon que je n'ai pas pensé à prendre un blush poudre. Donc, c'est pas grave. J'ai déposé le Made by Mitchell. J'ai déposé mon highlighter R.O.M. Beauty. J'ai pris que le Kiko. Parce que ça me fera chier si je casse mon highlighter R.O.M. Beauty. Voilà. Dans l'avion, mais genre de bien arrivé. Je rêvais de me coucher sur un lit et de prendre une douche. Mon chien à la douche, et là je suis couchée sur le lit. Je veux m'en sortir une vidéo aujourd'hui, mais je sais pas si je pourrais la sortir parce que je me suis partagé entre le fait de faire un montage et dormir, mais genre dormir et en même temps, on a la dalle. Donc, on aurait bien aimé visiter. Oh, si je regardais sur Uber. Parce qu'en fait, on voulait aller à Chambourcy. Alors, je vous ai pas dit, on est sur Poissy. On voulait aller à Chambourcy parce qu'il y a un centre commercial. En fait, je voulais aller. Pas un. Je voulais y aller. Et en fait, ça fait 10 euros. Donc, je vais proposer ça à mon chéri. En attendant, je vais. Bon, on va se reposer, ça c'est sûr. Pour l'instant, il fait pas trop chaud. Il fait 25. Et on a prévu maximum 32. Cet après-midi à 15h. On va voir. Pour l'instant, je vais faire mon montage. Je vais me toucher. On est fatigué, on est un petit peu plus broc que ce matin. Première journée, on a trouvé un Sephora. Enfin, on a trouvé un centre commercial. Et avec des marques qu'on n'a pas vu l'année dernière, H&M. J'ai trouvé un pantalon, un jean. Mais je vous le réserve pour le haul. Si vous me suivez sur Instagram, ce que je vous recommande, désolé, il y a des bruits. Vous l'avez déjà vu. Mais si vous ne l'avez pas vu, et vous attendrez le haul qui arrivera le mois prochain. Je vous dis le mois prochain parce que je retourne à la fin du mois. Et en fait, je dis à des vidéos programmées, donc ce sera le mois prochain que la vidéo va sortir. En tout cas, j'ai hâte. Sephora, qui fait des dégâts. Voilà. Ma carte bancaire est en PLS. Mais ça va, je suis heureuse. On est content? Et... on a testé le McDo. Oui, il faut que je parle de ça. Vos boissons, les gars, c'est quoi? C'est quoi vos sodas? Attendez, je me mets derrière. C'est quoi vos sodas, genre? C'est nul? C'est pas bon? C'est pas sucré? Ça n'a pas de goût? Franchement, j'étais à deux doigts de dire le prix est remboursé. Voilà, on attend le Uber. Prendre le bus, c'est un petit peu compliqué parce que ça nous prendrait, faire prendre deux bus et ça nous rallongerait le temps de pas mal. On avait regardé au moins 30 minutes hein, quand même si on prenait les bus. Donc on a préféré prendre la Uber. Ça nous a fait 20 euros aller-retour. Ouais.
Alors moi je suis crevée, littéralement. Je suis en train de me préparer. Attends. J'accroche chez ma trousse de vacances, mais je pense que c'est pas possible que je me maquille. Alors une petite question aussi haut. Alors aujourd'hui 7, nous nous préparons pour ah c'est les chats, désolé. Parce qu'on est chez un parent à mon compagnon. Et enfin, temporairement. Merde, j'ai oublié de mettre mon autre base. Attendez, je suis un petit peu gay, tout là. Et du coup, il y a des chats. Ils sont trop mignons. Trop mimes. On se prépare là. On va au grand plaisir. Un centre commercial. Voilà. Ah, je sais plus c'est quoi la région. Mais dans une autre ville, à une vingtaine de minutes. Et je pense que j'ai un problème de santé. Faut vraiment que je me mette. Genre, mon fantôme n'est pas de la bonne teinte. Genre, tu vois, distinctement qu'il n'est plus de ma bonne teinte. Attendez, c'est horrible là. Je vois pas beaucoup. Ah si, chérie, moi je vois. Mais ça, c'est pas tout spécial. On a passé une trop bonne journée. Hier, on était faire du shopping. Je me suis dit ruiné chez Sephora alors que je vous avais dit ouais je vais pas me passer beaucoup de choses. Et là on m'a dit, je crois que là où on va il y a une autre Sephora. Priez pour moi. Priez pour moi parce qu'il n'y avait même pas R&M Beauty. Il n'y avait même pas. En plus aujourd'hui il y a la nouvelle palette d'ABH qui sort. Il n'y avait pas ABH non plus comme stand. Il y avait Huda mais il n'y avait pas tout. Il y avait Too Faced mais il n'y avait pas tout. Il y avait beaucoup de Sephora collection, j'ai trouvé. En termes de make-up, donc j'ai profité pour prendre deux petites choses parce que j'ai entendu bien les produits Sephora. Je vous ai surélevé parce que je vais un petit peu vous respecter. Ouais. Surtout que j'ai amené mon trépied et ma lumière. Donc pourquoi je ne l'utilise pas? Donc voilà, on a passé une trop bonne journée. Mais il m'a ouvert que la moitié du crayon. Et en plus que le goupillon. Et il y a un homme qui écoute pas ce que vous dites. Je rigole. Merci bébé parce que je sais qu'il va avoir de mes vlogs. J'ai acheté quelques petites choses. Bien entendu, je vous montre pas. Vous avez un vlog, haul, retour de vacances, comme je vous ai dit hier. Là, je vous dis déjà, j'ai acheté un crayon à sourcil de Sephora parce que j'en ai un petit peu marre de mon histoire de poudre là, de ELF. Ça me saoule. Je pense qu'à la fin de l'année, je virerai ça. Voilà. Donc, j'ai acheté un seul crayon. Je voulais prendre un bénéfice. J'ai le prix, genre 20 euros pour faire un sourcil, 12,99. C'est tout ce que je peux mettre dessus un peu. Il est naturel, il est pas trop much. Non, j'aime bien. Là, on n'a pas encore mangé, donc je pense qu'on est à manger chez... Je voulais un Starbucks, mais on voulait manger chez Vapiano. J'ai une copine qui m'a dit que c'était trop bon, donc qu'il fallait qu'on teste, donc... Je pense qu'on est directement manger chez Vapiano. Il y a quoi? En gros, on va passer toute la journée là et ensuite on va retourner à la maison. Voilà, je suis ready. J'ai dormi dans cette position et je trouve que je suis bien. Je devrais me coiffer. De toute façon, je suis. J'attends monsieur. Pourquoi les gens semblent pressés ici? Madame Jumbo ou votre voiture? J'ai mis du mat parce que j'avais mis le Fenty Icon. Je vous montre, je l'ai acheté en The MVP. Sauf que le Fenty Icon il est beau, il est très rouge, mais je n'ai pas de crayon à lèvres pour faire le contour et j'aime pas le rendu sans contour. Genre, il manque quelque chose. Donc aujourd'hui, la mission, quand j'ai acheté Sephora, c'est d'acheter un contour. La fameuse robe Bershka, la fameuse. On est le lendemain. Je ne sais pas plus ce matin parce que j'ai rien de spécial à dire.
Le soleil est juste priceless. Sur ma peau. Mais on est à partir, on est revenu. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu plus chill. On a fait tout petit peu de shopping. Donc chez Gab en tout cas retourné. Mais moi j'avais quelque chose à acheter. Ma nouvelle caméra, les gars, c'est ma nouvelle caméra. Là. C'est un Sony ZV-E10. I'm so happy. Et j'ai pris une peau, bien entendu. Regardez-moi qui va avec. C'est de l'investissement, les gars. De l'investissement. Oh, et je suis trop contente parce que j'ai acheté des livres. Ah, oui, j'ai ramené 4 livres. Et j'ai racheté des livres encore. J'ai acheté le dernier tome de Victoria Charlton, c'est le Gardez-le l'œil ouvert, tome 3. Voilà. J'ai les deux premiers tomes à la maison. J'ai acheté La malédiction du Cecil Hotel de Sonia Liu. C'est une youtubeuse crie. Je ne la suis pas, mais j'ai entendu beaucoup parler d'elle. Et c'était sur ma office Amazon, ça. Et j'ai succombé à la folie Lena Situation. Et j'ai acheté son livre. Donc, toujours plus égal à plus, toujours plus. Trop content. Est-ce qu'on est content? Oh! Je peux montrer à mes abonnés tes chaussures? Je vous montre. J'ai demandé à quand même un monsieur, mais ce superbe achat que mon chéri a fait, ceci là, c'est un achat, il a acheté. Regardez-moi la beauté, attendez, vous la voyez pas là. Regardez-moi comment c'est beau. Ce sont. Je ne danse rien, donc je vais vous mettre l'étiquette. Voilà. Vous allez voir l'étiquette. D'accord. Et si vous l'achetez, vous achetez. Franchement, elles sont trop belles. Trop belles. Confortable. Ah oui, ça s'appelle les Adilette 22. C'est très nul. Il y a la batterie, le chargeur. Parce que oui, les appareils Sony, genre, il faut acheter le chargeur à côté. C'est comme si ça coûtait pas assez cher. Donc voilà. Et voici notre bébé. Voici notre bébé. Donc j'ai pris le ZV-E10. Regardez-moi le tattoo. Incroyable. Oui, t'es beau, chérie. Oh, tel de slip. Il faut que je teste parce que, justement, comme on part demain, il faudrait quand même que je vois s'il n'y a pas un souci. Après bon, je pense qu'on peut l'échanger dans n'importe quel fnac, hein, chérie. On se retrouve plus tard et là actuellement j'ai envie de filmer donc avec ma nouvelle caméra. Genre là comme ça je trouve ça juste magnifique. Alors je vous ai pas dit, enfin si je vous ai dit, j'ai pris un Canon ZV-E10 qui de base est une caméra de vlog, mais ce sera pas ma caméra de vlog, ce sera ma caméra de tous les jours, genre et tout. Et genre là pour l'instant je suis trop satisfaite. Il me semble juste que j'ai un filtre genre en beauté. Je vais virer ça, je fais pas ça. Je passe ça sur ma caméra. Montre. I'm happy. I'm very happy. Voilà. Bon les gars, on se retrouve beaucoup plus tard. Donc on est samedi. Ce matin on s'est vu, on a pris le train. On est arrivé à Nantes. Voilà, on a eu à 10h, grosso modo. Et ensuite, on a été dans un centre commercial. Pour ceux qui connaissent, à Atlantis, on a passé une bonne partie de la journée là. On a un petit peu de shopping. Pas grand chose, mais c'est vraiment magnifique. C'était trop beau. Genre, c'est un centre commercial, pas comme en Martinique, tu vois. J'ai profité pour voir mon meilleur ami et tout. C'est trop bien. Et là, on a récupéré, on vient toujours de récupérer notre logement pour quelques jours à Nantes. C'est Apart City. Je vous dirai pas. Je vous dirai pas parce que pour l'instant, ben, j'attends de voir en fait l'avancée pour recommander ou pas. Pour l'instant, ce serait pas gagné parce que mon chéri vient de trouver une serviette dégueulasse. Genre, elle est sale. Voilà.
On va se reposer. Je suis en train d'upload ma vidéo que vous verrez. Que vous avez déjà vue de toute façon, je crois, la semaine dernière. Mais je suis en train de terminer de l'upload. J'ai fini de la monter dans le train. Mais j'étais claquée. Genre, on s'est réveillé à 5h. On est parti à 6h30 pour arriver à Paris, à Gare Montparnasse. Parce que le train partait à 7h29. Genre, on est arrivé à 7h20, je pense. Environ. Dans le train, on a speedé. On n'a pas couru, mais on a speedé de fou malade, les gars. C'est hardcore. Mais voilà. We are arrivé à Nantes. We have fait du shopping. We are happy. J'ai voulu tester les parfums de Zara. Parce que j'entends beaucoup ça s'inventer. Excusez-moi vous dire, il pue. En fait, non, c'est pas qu'il pue. Désolée, vous bougez beaucoup. Mais c'est juste que j'ai la flemme de sortir mon trépied. Gadis, lève-toi, il va sortir. Ah non, il est dans ma valise. Dans la valise, vous voyez là. Bref, je disais, c'est pas qu'ils sont mauvais. Ils sont bons, mais genre, c'est pas la fleur du siècle. Ils vendent ça comme étant la fleur du siècle. Moi, je trouve que, bof, c'est pas la fleur du siècle. Donc, voilà. On va se poser, on va dormir un peu. Et puis, je pense que ce soir, on va ressortir. Il faut qu'on aille acheter de l'eau, parce que ben, on n'a pas d'eau. Dans l'appart, il y a une carafe avec de l'eau remplie. Genre, vous pensez vraiment que je vais aller boire votre eau dans la carafe, là? Non. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez mis dedans. Donc, question. Je vais aller acheter une bouteille d'eau. Pas ouverte. Oui, j'ai perdu un ongle. Depuis hier. Oh, d'ailleurs, je ne vous ai pas raconté. Hier, on était à Paris. On a visité un petit peu, mais en fait, parce qu'on devait aller récupérer quelqu'un. Mais en fait, on avait oublié que c'était, je crois, un match de rugby de l'équipe de France. Genre, c'était Blindax. Je vous ai fait des petites stories. Mais genre, c'était Blindax. Et ça m'a choqué. Genre, comment vous pouvez... Oh putain, il faut que je refasse mon sourcil. Comment vous pouvez kiffer Paris? Genre, je me suis sentie mal. Mal à l'aise. Mais genre, mal à l'aise. Genre, c'est un truc de mal. Paris, c'était pas mon kiff. Ce matin, c'est déjà un petit peu plus apprécié, tu vois. Quand on a été à Gare Montparnasse, c'est un petit peu plus apprécié. C'était déjà un petit peu plus sympa. Mais franchement, je me vois pas. Je me vois pas vivre là. Parce on a été à Versailles. Bon, c'est pas Paris, mais on était à Versailles. Ensuite, on est arrivé sur les Champs. Oui, on a fait les Champs-Élysées, mais c'était genre... À peine vous avancez, vous prenez... Je sais pas, même pas un kilomètre, vous prenez genre plus de 20 minutes, 30 minutes, je vois. Au genre... Voilà. Puis les gens, ils roulent mal. Les motos, mon Dieu, Seigneur. Moi, j'aurais pas pu conduire. Et pourtant, j'aime conduire. Et mais là, à Paris, genre, c'est un autre level de permis qu'il faut avoir pour conduire à Paris. Donc, ouais, non, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé, il faut forcer. Et genre, on est passé du luxe. Mais c'était genre hyper flagrant du luxe en mode Chanel, Prada, Gucci, j'en passe Gianchi, Saint Laurent et tout. Franchement, le luxe, genre, les apparts avaient l'air incroyable. À... la porte de la chapelle, quoi. Si vous vivez ou vous avez déjà été à Paris, vous comprenez ce que je... Genre, c'est sale. Il y a des SDF partout. Genre, c'est pas... Genre, j'ai trouvé ça tellement choquant. C'est-à-dire que on n'est pas allé loin. Genre, d'un côté, t'as de luxe avec des standings. Et de l'autre côté, t'as des gens qui vivent dans une pauvreté, genre, incroyable. Et c'est tellement... Enfin, je trouve ça choquant. En tout cas, moi, petite Martinique, qui vient... chez vous, pour ceux qui vivent à Paris, je trouve ça choquant. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Ne le prenez pas mal. J'ai pas dit que Paris c'est moins bien, que Martinique c'est mieux. Non, c'est juste que c'est pas ma tasse de thé. Moi je préfère une plus petite ville, un petit peu plus calme, un petit peu plus, tu vois. Là c'est un petit peu too much. Là c'était un petit peu too much. Bon les gars, on est parti pour une dégustation. Je vais aussi déguster ce Pepsi. C'est un Pepsi, je vois sans sucre. Les gars, ça fait longtemps que je n'avais pas bu autant de coca, enfin de boissons sucrées sur une aussi courte période. Bref, je vous montre mon magnifique
mug de Starbucks. Et je vous présente mon chéri, que peut-être ou peut-être pas vous verrez. J'en sais rien encore. On verra bien. On verra bien. On verra bien. Mais vous savez qu'il est là, il est là. Donc aujourd'hui on a fait une dégustation parce que j'ai acheté pas mal de petites choses. Enfin, on a acheté pas mal de petites choses qu'on trouve pas en Martinique. Et on s'est dit qu'on allait déguster ensemble. Il y a des choses que j'ai acheté chez Normal et chez Decathlon. J'ai des trucs protéinés majoritairement chez Decathlon. Sinon c'est chez Normal pour tout le reste. Voilà. On a changé d'angle parce que la luminosité, regarde, c'est pas possible. Donc on a des choses hyper protéinées. Comme ça. Donc si il veut plus se montrer. Des giga cookies. Du bœuf séché. Bon, des trucs un petit peu plus standard, mais ça, il n'y a pas ça en Martinique, tu vois. Donc voilà. Et puis des trucs vraiment standard, genre des Doritos. Mais genre. On est extra et il fallait mettre du contenu dans la peau. Let's go bébé. On va commencer sur du facile. Doritos. Chili pepper. Regardez-moi ce floutage. Donc vous avez vu une différence, je ne vous ai pas dit, mais je filme bien entendu avec ma caméra que j'ai achetée hier. Ça nous permet de tester un petit peu avant que je commence à filmer chez vous, de chez moi. Ça, je crois que je connais déjà, je crois. On a toujours 10? Ouais. Moi, je dirais 6. C'est correct. C'est chimique. Rien de vous de vrai nachos. Il manque une sauce guacamole. Moi je donne mon 5. Petite pub, qui n'est pas une pub, c'est pas affilié, mais il faut vraiment que vous testiez les nachos du Nuevo Mexico au centre-ville à Fort-de-France en Martinique. C'est trop bien. En dessous là, c'est le chili pepper. En général, moi je vois chili pepper, c'est pas vraiment violent. Enfin, ça fout le fromage. Tu me vises là? Il y a quoi de chili pepper dans ça? On dirait du paprika. On dit ça, hein? On dirait des Pringles au paprika. Tu trouves pas? C'est bon, mais je vais déposer parce que je vais tout manger. On a passé l'étape du fashion. Globalement, je donne une note de 5 sur 10. Je donnerais 7 parce que tout à l'heure j'ai donné 6. Oui, j'ai perdu 2 aujourd'hui. Enfin, il y a un que j'ai arraché et l'autre que j'ai perdu. Mais. J'ai préféré le chili pepper. Alors que je pensais préférer le fromage. Le chili pepper, c'est la base, c'est la meilleure. Ouais. Mais ça coule pas. Non, mais je m'attendais à ce que ce soit chili pepper. Genre, ça a le goût de paprika, les gars. Paprika. Il y a une qui a eu l'idée d'acheter ça. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est de la viande. J'ai l'impression que c'est de la viande. Séchée. Séchée. Alors là, c'est sweet and hot, donc sucré et piquant. Teriyaki, et j'ai pris aussi la version classique. Alors, ce que monsieur ne vous dit pas, c'est que lui-même m'a montré le truc. Il m'a dit, oh, de la viande séchée. Un go comme moi. Il faut qu'on teste. On va tester. On commence par le classique. Attends, avant de commencer, il faut bien noter une chose. Ils disent qu'ils ont sélectionné les meilleures parties du bœuf. Qu'ils l'ont préparé au feu de bois et qu'ils les ont assaisonnés en mode marine. Et ensuite fumé. On va voir fumer et sécher. On va voir, mon Dieu Seigneur, la gueule que ça a. Oh, j'ai mon pas Dieu, encore vu. Laisse-nous voir. Non, ça va. Montre ça à la caméra, comment c'est dégueulasse. Mais c'est de la viande séchée, mon cœur. Ça sent bon quand c'est en dehors de la boîte. Ça sent. Ça sent un truc que je connais. Ouais, genre. Du jambon fumé, certains jambons, pas le jambon de Parme, mais il y a certains jambons qui sont pas là. Maman, t'as mis ce goût au bout. C'est pas bon. On veut pas ça, moi. La viande est séchée, mais j'ai l'impression qu'elle est crue. Mm-hmm. Bon, t'as pas dit qu'elle est cuite. Il est pas cuite même. Je commence à apprécier l'odeur, tu vois. Dans le sachet, c'était délicat. Mais là. Meldon, tu sélectionnes en fait, des meilleurs morceaux. Je n'apprécie pas l'odeur, non, c'est moi. Préparation de la viande, donc ils l'ont coupé en haut, ils l'ont assaisonné et ils l'ont fumé. C'est ce que j'ai et dit. Et séché. Mais je pensais donc, que. Donc il n'y a pas de vraie cuisson.
Je pensais que je vais apprécier. Le dos commence à... Mais en fait, non, ça me rappelle la bête crue. En plus, on a lavé au son Jokey. Les gars, ce sont plutôt des Jamaïcains. Teriyaki, qu'est-ce que tu me dis Jokey, chérie? Jamaïcain. Jokey, c'est quoi? C'est... Mais ça s'appelle déjà Jokey. Oh mon Dieu, j'espère que c'est pas des Jamaïcains qui ont fait ça parce que c'est une insulte. Fabrico Brésil, ça m'étonne même pas. C'est raciste. C'est toi qui as dit que c'est raciste. Moi, j'ai pas dit que c'est raciste. Nous vous aimons les Brésiliens. Si on a des Brésiliens. Par contre, si vous allez en date avec votre meuf, votre mec, non, c'est pas ça. Je sens déjà comment on a les nymphes et fétides. Le maudit. Il y a sweet and hot. Déjà, je comprends pas comment on arrive à placer le mot sweet dessus. Et hot. Bon, je vais te regarder réagir. Enfin, je vais réagir à ta dégustation. Et y'a Thierry. Oh! C'est le vêtement! Je signe. Tu prends des chaisons! Les gars ont osé mettre une petite sauce. C'est pas une sauce, c'est un truc de protection. Mais qu'est-ce que tu. Ça se mange pas! C'est moi qui ai un goût. Not it. Not it. Eh ben putain. Nous payons eating. Attends, il faut que tu laisses ma bouche avant. Ça en fait. Franchement, je crois que c'est vraiment... Et vous savez, les gars vendent ça à côté de des sneakers, des M&M's, c'est dit comme ça. Des Hershey's. Ouais. Juste à côté de en ça. En mode comme si c'est bon et que c'est un... tout le monde achète ça. Mais en vrai, je crois qu'il n'y a que deux qu'on va acheter ça. Hein. C'est chaud. T'as toujours pas mangé le nerf. Salut là, je balance de la viande par la fenêtre aussi. J'ai oublié de dire, on nous casse les métages. Aucune personne n'est blessée durant cette vidéo. Il n'y a personne aucun, qui passe. Aucune viande séchée n'est blessée. Parce que putain, moi quoi, viande, ça ne doit pas même toucher ça. Non, vous n'inquiétez pas, c'est pas une nouille passante. Mais c'est dégueulasse. Et c'est marqué 100% lean bœuf. Par contre, il y a beaucoup de protéines dedans. Il y a à peu près... carotte gomme de protéines pour 100 grammes. 25 grammes, ça va? Il y a 25, mais bon. Il y a 10 grammes pour 25, tu vois. Non, c'est pas bon. Je vous conseillerais plus l'original, si vous voulez goûter. Moi, je conseille. Mais vous... On y passait doux, on n'est pas même arrêté. Bon. Je serais obligé de vous mettre la traduction en français. Je suis chier, mes abonnés ne sont pas tous créoles. Si moi je sais, ils vont pas avec quoi, je te jure, tout le monde sait pas. Il a, on a même pas goûté celui-là, il a jamais de ce côté. Et du coup, on a ça, tu vois. C'est déjà. On passe à découper ailleurs. Non, ça c'est pas bon. Et pourquoi t'as acheté? Ah, ça, ok. Non, ça je sais pas, j'ai jamais goûté. Mais j'ai entendu du bien. On va passer à la dégustation de popcorn au caramel de la Mac Walter Ocean. Ben ça, on entend parler souvent de cette map là. Pour d'autres choses à la télé. Donc j'espère même que c'est quelque chose qui est bon. On va pas mentir. Les trucs de poulet vont finir dans un poulet. C'est pas du poulet, c'est de la viande. De la bœuf. Ça sent très bon. Ça sent bon. Regardez-le. Ne m'a même pas proposé. Ça c'est bon. Ouais. Ça c'est validé. Et ça, c'est vraiment bon. Tu vas aller par la street. C'est sucré, hein? Bon Dieu, aujourd'hui. En fait, je pense que comme on a bu du coca. Je vous ai pas dit, aujourd'hui, on a été à Five Guys parce que je ne sentais trop parler de ça. Et on est à Nantes, donc je vous ai dit. Et dans cette commerce Atlantis, il y a un Five Guys. J'ai dit à mon chéri, à mon meilleur ami, il faut qu'on aille manger là. C'était trop bon. Mais les gars, le soda. Par contre, le soda était sucré, les gars. Moi qui ne bois plus trop sucré. Là, après ça, je retourne à ma diète. Après mes vacances, je retourne à ma diète sans sucre parce que putain. Là, en quelques jours, j'ai dit à consommer tellement de sucre comme ça. Là, il y a 50 grammes de sucre. Ah ouais. 9 grammes de nature gosse. Je trouve que c'est sucré. Alors, du coup, pour le bœuf, moi je donne la note de 2. T'es gentil, pour ce que t'as pas mangé. Ils ont un très beau packaging. Tu vois, j'aime bien le beau packaging comme ça. Mon chéri est passionné par le marketing et tout ce qui... Ouais. Tout ce qui est pub.
Marketing, voilà. Communication, c'est mon truc, j'aime ça. Donc, deux points pour la présentation, c'est comme à l'école, t'as mis ton prénom, deux points. Non, t'as donné pas du tout. Oui, moi c'était deux points. Ah, c'est très bien. Un point pour le prénom, un nom, un point pour le nom de famille. Correctement. Et 0,5 pour la date. Je donne. T'es pas encore un bon youtubeur, voilà. Je donne. Un 11. C'est bon. Sur 10. C'est bon. À ceci. C'est très bon et ça a retiré le goût de la viande dans ma bouche. On n'a même pas goûté celui teriyaki. Allons pas goûter. Allons, on laisse goûter tes parents. J'ai essayé. Ils vont nous détester. Là, on va goûter la version classique. Chérie, t'as pas montré. Tu peux pas manger. T'es pas un bon youtubeur. On va goûter la version classique. Celui-là est bon, moins sucré, mais j'ai un peu fait en sport, celui-là quand même. Celui-là est plus facile à manger. Genre, devant un film, ou même en lisant un livre, tu vois. J'imagine poser là, t'as ça. Eh ben non, celui-là, il aurait été plus sucré. Il y a 53,2 grammes de sucre. Et là, il y a 50,7. J'ai l'impression que celui-là est moins sucré. Celui-là, on a l'impression qu'il est vraiment plus sucré. Monsieur a décidé. Effectivement, je trouve que, comme aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a mangé à Five Guys et c'était très sucré. Le soda était archi sucré. J'ai pris un milkshake. Le milkshake était vraiment moins sucré, mais le soda était. Oh. Et avant ça, on avait mangé chez Starbucks. J'ai pris un café, mais j'ai pris. Pardon. Merci chérie. Me suis nommée Antille. Donc je sais qu'aujourd'hui, on a consommé beaucoup de sucre. Donc on va laisser, sachant que tout ce qui reste, c'est du sucre. On va laisser pour un autre jour. Soit dans ce vlog. Soit dans un autre. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a diverti. Et dites-nous en commentaire si vous voulez plus de vidéos avec lui. Et de dégustation, parce que ne me dites pas maquiller votre copain. Non, je ne vais pas maquiller mon copain. Et il va m'accepter et je ne vais pas le faire parce que... Déjà, si vous avez pensé à ça, remettez-vous en question. Voilà. On est d'accord. Je peux regarder, je trouve ça drôle, mais genre, je ne vais jamais dire à mon copain, chérie, je laisse pas te maquiller. Déjà, j'ai pas de fond de teint, c'est la carnation. Et je ne vais pas aller acheter du fond de teint pour faire des bêtises. Genre, non. Et de toute façon, il va jamais me dire oui. Mais si vous voulez d'autres dégustations de d'autres produits, tell me, parce que ça doit être cool. Et peut-être qu'on le fera dans une vidéo standard, si ça vous plaît. A plus. Bon, les gars. Je sais pas si vous m'entendez, mais je parle pas trop fort. C'est chez mon blog. On a été à un truc qui s'appelle Bio Burger. Alors là, l'adresse, j'en sais foutrement rien, pardon. C'était grave bon. En fait, en gros, c'est des burgers bio. Le nom indique. C'était grave bon. Et là, on se balade. Mon ventre est plein. Je vais pisser. Regardez-toi. J'ai pas compris. Ne regardez plus que je pisse dans des toilettes. Pour le public. Ah, pas toi. Il est, je sais pas, on est le combien chez nous? On est le 10 parce qu'on a fait le travail. Donc le 10. Et il est midi 13h11, on est en train de marcher pour aller manger. Et c'est vrai que je ne sais pas plus aujourd'hui, mais j'ai dormi toute la matinée. Du coup, on s'est réveillé, on a pris la petite déjeuner. Et j'ai aussi retourné me coucher. Jusqu'à tout à l'heure. Du coup, je disais, ça fait plus bien. On s'est promis. Enfin, on a marché de notre appart-hôtel jusqu'à notre lieu de bouffe. We are going to eat and I'm hungry. Hello.
ça va trop le soir. Vous entendez le ventilo parce qu'il fait chaud. Il est 23h09. J'étais en train d'exploiter les roches quand j'ai réalisé qu'en fait, il n'y a pas de clôture de ce vlog. Donc, c'est la clôture. Je suis fatiguée. Je suis très contente parce que là, on est dimanche. J'ai déjà programmé ma vidéo de mercredi prochain. Donc ça c'est fait, il me reste, là il faut que je commence à monter justement ce vlog là que vous voyez, donc samedi. Et de toute façon, moi à partir de demain, je continue à vlogger la semaine prochaine, que vous verrez la semaine suivante. Tu vois, tu suis le genre. Donc voilà, je parle pas trop longtemps, je suis en train d'exporter aussi ce qu'on a filmé avec mon nouvel appareil. Et je pense que je vais acheter un adaptateur pour connecter directement à mon Mac, parce que là genre ça prend trop de temps, ça prend trop de temps et j'ai besoin des roches. Donc bref, ça c'est le problème que je gérerai de mon côté. Donc je vous fais des bisous, j'espère que c'est le premier vlog vous a plu. J'ai rien encore monté, donc je ne sais pas à quoi il ressemble. J'espère juste que j'aurai réussi à faire quelque chose de sympa, mignon et agréable à regarder. Voilà, je vous fais des bisous.